Isa en maternelle présente. Il n'y a pas de dragon dans cette histoire de Lou Carter. Cette histoire était censée être celle d'un dragon qui capturait une princesse. Oh non ! Quand, hurlement, arrivait un chevalier. Hi-ha ! Qui combattait le dragon. Ha ! Et secourait la princesse. Hurra ! Fin. Malheureusement, je ne peux pas te raconter cette histoire, car Dragon est parti bouder. Je ne capturerai pas de princesse superficielle et capricieuse aujourd'hui, et je ne combattrai plus de chevalier courageux en armure rutilante. Je vais trouver une histoire où, pour une fois, je serai le héros. Tout d'abord, Dragon aperçoit un petit bonhomme en biscuit. « Bonjour, je peux venir dans ton histoire? Je pourrais te sauver de ce renard ?»« Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça se passe !» lui répond le petit bonhomme de pain d'épices. « Il n'y a pas de dragon dans cette histoire !» Dragon gravit alors une colline, au sommet de laquelle il rencontre un petit cochon construisant une maison en bois. « Bonjour, je peux venir dans ton histoire? Je pourrais te sauver de ce grand méchant loup ?»« Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça se passe !» lui répond le deuxième petit cochon. « Il n'y a pas de dragon dans cette histoire !» Alors, Dragon prend la route de la ville. En chemin, il essaie d'aider Boucle d'Or. « Non !» Hansel et Gretel. Non, non. Et le petit chaperon rouge. Non. Mais personne ne veut de dragon dans son histoire. Mais attends une seconde. Dragon a repéré un garçon grimpant à une tige de haricots. Bonjour, je pourrais te sauver du géant. Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça se passe, lui répond Jacques. Il n'y a pas de dragon dans cette histoire. Fé-fi-fo-fume, je sens le sang d'un dragon, gronde le géant. Ah, au secours, j'ai changé d'avis, je ne veux plus être dans cette histoire. Alors, mais que se passe-t-il? Oh non! Tchoum! Saperlipopette, le géant a éteint le soleil. Tu me marches sur les cheveux! Quelqu'un aurait vu ma pantoufle de verre. Ouh, c'était mon nez! Pousse-toi! Embrasse-moi. Au secours! Dragon? Où es-tu? S'écrie le petit bonhomme de pain d'épices. Nous avons besoin d'un héros! Je ne peux pas, je suis nul en truc de héros. Mais nous avons réellement besoin d'un dragon dans cette histoire! Insiste le petit bonhomme de pain d'épices. Je ne peux pas. À moins que... Et si je pouvais... Je peux le faire! Hourra! Hourra!
suis un héros. Et voilà, c'est l'histoire d'un courageux dragon qui fait éternuer le géant. Oh non! Ce qui fait disparaître le soleil. Hurlement! Mais Dragon le rallume. Ouais! Et devient un héros. Hourra! Hourra! Fin. Attends une seconde. Où Dragon va-t-il cette fois? Trip, trap, trip, trap. Vrai fin. Mon histoire est terminée.